Saphira. Saphira. Edina. Et nous jouons à Pandémon. Ah, t'as vu? Ça garde ton dernier. Enfin, ah, ça même pas. Ils te mettent pas une toute petite vie en plus, non? Non, c'est pas comme ça. Donc voilà, nous y voici dans le niveau 6, au bout du quatrième épisode. On a accéléré, comment ça se fait alors qu'on a perdu un épisode et demi sur un niveau? C'est ça le flipper? Non, ça c'est autre chose qui est... Alors voilà, chiant. Alors c'est sympa parce que du coup on quitte les champignons. Ah non, il y a toujours des champignons. Et on... What? Ça s'est fait... What? J'ai pas tout compris là. On s'est fait shooter. Et donc on se retrouve dans Pandemonium, qui est le jeu d'enfance de Saphira. Est-ce que c'est le jeu d'ailleurs qui a marqué le plus de ton enfance d'après toi? Parce que tu avais parlé de Rayman aussi. Ouais, il y a Rayman aussi. Et Crash Bandicoot. Ah ouais, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot aussi, c'était le genre de jeu où il fallait y jouer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que quand tu... Surtout moi je me rappelle quand j'étais gosse, si t'es pas assidu, que t'as pas le courage, t'y arrives pas quoi. Ouais. Il y avait des scènes qui me faisaient peur, qu'on était poursuivi par un monstre et tout, là qu'il fallait courir, courir, courir. Oh là. Et voilà. C'est la fin, c'est la fin. Alors, sujet Miyabu Yuki qui dit que faudra que tu lui dises que la réaction de Franck. Le truc, à plus vous... dans une prochaine vidéo. Le truc en fait, il vous force à courir et à sauter, mais il faut pas courir et il faut pas trop sauter. Faut faire petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas par petit pas. Est-ce que tu te souviens aussi de ce monde? Oui. Je me souviens que c'était bien chaud. Un peu comme là actuellement. T'es obligé de le faire ça ou pas? Oui. Ah bon? Bah oui, je suis sur le côté, je crois. Il y a un trou en dessous. Oh putain! Ah oui, bien joué. Mais je sais pas, j'ai vu le mur entre les deux. Non, moi je m'obstine à me faire shift. La clé. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient d'un cœur. Ah, bien ça. Alors, dégétère d'acide et la fille elle joue Marilyn Monroe en dessous. Bah oui, mais bon, ils sont... Elle saute pas aussi. Et du coup, tu vois des endroits comme ça, le mec, il serait pratique. La roulade est plus rapide. Oui, ouais, mais après, tu serais peiné. Même des testeurs... De... Au moins, on n'est pas en colère parce qu'on arrive, parce qu'on va pas très loin et qu'on perd nos vies pour rien. Les choses du bon côté. Et ce qui est bien avec ce Let's Play, c'est qu'on triche pas, il n'y a pas de montage, vous voyez à quel point on en chie. Enfin, Saphira. Plutôt moi. Mais... Justement, Princesse, elle c'est ce qu'elle veut faire sur son truc du Roi Lion. Elle voudrait le terminer alors qu'elle n'a jamais réussi à le finir. Ouais. Donc toi, tu vas essayer, tu penses? Je vais essayer. Est-ce que tu pourras à peu près nous dire où est-ce que tu étais bloqué d'après toi? Oh, il y a encore de la marge. Non, mais est-ce que tu pourras nous le dire au moment où on sera? Ah oui, je pourrais vous dire, oui. Tu te souviens de comment c'est fait pour voir oui, si... Oui, oui. Ah, je sais, oui, je sais. Alors, exactement le dernier où je suis. C'est voilà. Avec une espèce, en fait, on est dans un monde un peu dark comme ça. Ouais. Et il faut passer des portes, mais il y a... Il y a une grosse boule rose, en fait, qui nous poursuit. Parce qu'elle nous tue. Et mais il faut monter, Un peu comme le bonus. Ouais, un peu comme le bonus, ouais. Donc un niveau qu'on reconnaîtra très vite. Oui, je pense. C'est sympa hein, quand même aussi ici. Hein. Cet univers un peu où l'eau, entre guillemets, c'est de l'acide. Il y a des cascades, il y a encore des champignons. C'est sympa. Hein. Des cascades. Ça, non, mais c'est vrai que ça inspire. T'as envie de voir ça dans un livre, tu sais. Ouais. Ça fait un peu voyage au centre de la Terre, tu sais. Bon, l'acide, c'est pas très... Mais bon, ça met un coup de... Tu déconnes. Ah non, tu vois bien. Là. Ah. On sait qu'il y a un point de contrôle. Ça prouve qu'on avance. C'est important. Maintenant, il faut terminer. What? Ah, je l'avais pas vu. Bah oui, il tombe sur ton. Non mais. Mais je les vois pas. Ah, je l'ai pas vu non plus. Je te rassure. Hein.
Je me demande s'il n'y a pas un boss juste après. Je crois. Terminer à 100%, sérieux? Toutes ces petites pièces qu'il faut aller chercher. T'avais réussi à avoir des 100% toi dans les premiers niveaux peut-être? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Bon alors là j'aurais mis un peu plus de points de contrôle. Ou un peu moins d'ennemis. C'est pas bête. Mais putain, à chaque fois hein. Il y a des gens, tu vas voir, ils vont reprendre le montage et ils vont mettre tous les moments où Saphira est morte. Ah, ils vont s'éclater. Non, en fait, ils vont juste copier l'épisode et tout. Oui, c'est ça. Ils vont faire pareil que moi. Ils vont se prendre le jeu. Dommage que ça serve à rien de magie. C'est une bonne cachette. Non mais... Ils sont cons ces champignons en plus. Là je comprends pas où est-ce que ça va, où est-ce que ça passe, les trucs qui font bouger. Voilà. Et je rêve que ça fait depuis très longtemps que t'as pas eu de pouvoir. Non, ça fait un petit moment. Là, il faut faire vachement gaffe au pic. C'est comme ça que t'es mort tout à l'heure. Ouais, mais c'est que j'essayais de choper le cœur. Ouais, mais bon, on va se choper le cœur, j'ai peur que tu... Voilà. Que tu le chopes et que tu remures derrière. Ah oui, d'accord. Pour ça, en fait. Mais c'est chaud, là. Voilà, comment tu veux faire avec le mec ici, sérieux? Je vois pas, en plus. Mais... Je vois pas. Mais avouons que tu avances de plus en plus. Oui. Et je viens de faire une nouvelle partie. Et voilà. Et j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai exactement fait ce qu'il ne fallait pas faire. Attends, je vais recommencer au début. Quel est le mot de passe pour retourner au début? Putain, mais c'est pas vrai. Mais putain. C'est quoi, je vais faire une pause parce qu'il faut que j'enlève le truc. On va y aller. On est de retour pour Acid Tool. Pour encore mourir. Non mais ça va, tu te démerdais super bien à la fin. Oui. Mais bon, t'as perdu peut-être le... Mais, oh, oh, je m'oublie à chaque fois. Mais... Putain, c'est... Heureusement qu'il y a ce cœur. Ouais, hein, c'est vrai. Mais... Je vais fracasser Bibi. Au pire, on pourra lui demander de nous désactiver. Ouais, je pense qu'il pourra parce que ça sert à rien. Et quoi que, si t'essayais de te baisser quand il y a les chapeaux, tu passeras en dessous. Non. Même pas. Non, ça sert à rien. Non. Bon, ce qu'ils arriveraient à faire, c'est à se foutre de ma gueule. Le gars, il a même eu tellement marre qu'il nettoie son radiateur, quoi. Non, je remettais un truc en place qui arrêtait pas de me tomber dessus. Ah oui, j'ai fait la poussière derrière. Ok. Ok. Encore une fois, il me reste 0 vie.
mais elle a des deux cœurs. Ah non. Ah putain, mais c'est ça qu'il me faut. Voilà. T'as eu quoi? Invincibilité? Oui. Ah. Allez. Il y a plus qu'il y a de plus en plus vite. Ouais. On sait qu'il y a l'invincibilité. C'est déjà ça. Il nous reste... Merde, j'avais pas lancé. Ah, mince. On était à combien d'après toi? Tant pis, bon. On a sûrement fait plus, mais bon, tant pis, ça ira plus loin. Je vais mettre 4 minutes à peu près. Mais c'est une blague. Mais comment tu me prends la tête, Nicky? Et elle a tenté comme il fallait. Là, du premier coup, t'arrives à tout. C'est pas logique. Mais ouais, il va m'arriver un truc. Genre ça. Là, ça fait du bien, là, de plus devoir regarder. Ah, mais il y en a plusieurs. Il y avait un deuxième. Réussir à aller plus loin. Oh, oh j'avais le feu du premier coup. Non mais moi c'est tout rien. Attends, du premier coup quoi? T'as pris aucun point de sauvegarde? Non. Ah oui. Boss War. Je suis curieux de voir à quoi il va ressembler. La position. Ah. On irait ma prof de maths. Comment t'as fait? Je vais lancer un truc comme ça de feu. À tes souhaits. Un truc comme ça. Comment tu peux lancer? Tu marches sur des catapultes? Non, je saute juste dessus. Je passe devant. D'accord. Déjà? D'accord, bah tu déchires tout quoi. Ça c'est fait. Voilà. C'était un boss. Le désert aussi, je me souviens. C'était un boss très compliqué. Vous allez voir des dinosaures. Là, elle enchaîne les niveaux du coup. Oh, on dirait, on se croirait dans Bibi Bibi Coyote. Oh bon. J'adore. Ah oui, putain. C'est pas grave, tu viens d'arriver dans le niveau. T'as défoncé l'autre en 30 secondes. Ouais, mais ce boss, il était pas dur. Non, mais même celui d'avant. Oui, c'est pas faux. Non. C'est quoi ça? C'est des combos. Pouvoir magic. Les wings. Wings. Nous les fait du Wings Club. Nous restons sortis. Ah maintenant tu rebondis sur les cactus. Et alors? Voilà. Ben voilà, ça pique. Ça l'a vexé. Mais putain de kangourou de merde là. Excusez-moi, je vais... Nicky Power Magique. Boule magique.
rien ici, il y a des trucs partout. Ah, c'est pratique ça. On le prend. C'est plus pratique. Boule magique. Non, je déconne. Ah, c'est mieux. Non mais la meuf, elle a un désert et elle passe au milieu de la lave. Oui, c'est trop logique. J'aime le challenge. Wow. Écoute. Oh putain. Heureusement que c'est pas une vue en... à la troisième personne. Ah merde, putain. Faire ça. Je voulais te faire au début écouter le bruit qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit? On dirait qu'il bouffe et en même temps qu'il ronfle, c'est très bizarre. Je te jure. Moi j'ai entendu. Donc il vomit. Jean-Michel au brutal. Tu sais que j'avais un jeu sur DS à l'époque, il n'existe plus, quand c'était à Nintendo DSi, on prenait en photo soi-même ou des amis, on pouvait enregistrer des sons. Ouais. Du coup j'avais pris mon frère et il avait des attaques du style il envoyait des boules d'énergie. Ouais. Et on pouvait changer les sons aussi. Du coup quand il envoyait la boule d'énergie, ça faisait grosse boule. Ou quand on s'énervait aussi. Tu fabriquais tes ennemis, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel ennemi, ah, quelle tête a-t-il, tu prends en photo ta mère et puis tu vois ta mère. Ça, c'était vachement sympa. Oh, tiens, attends. Je suis morte en mettant les doigts de pied dans de l'eau chaude. C'est du savon. Je veux trop avoir le dragon maintenant. C'est pas un dragon, c'est un dinosaure. Ouais, le... Non mais quand il meurt, il est trop marrant, je trouve. Je vais taper des barres de rire à cause de ça. Ouais, je vais le entendre. Putain. En fait, tu peux vraiment faire le saut par contre. Ça, c'est chaud. Ça tue en un coup, là, dans les vainqueurs. De quoi? La lave, le sable, le chaud. Le ça m'enlève un coup. D'accord. Et les cactus ne te piquent pas? Non. Et les moustiques te font mal. Et des kangourous sautent. Game over. On va y arriver, je vous jure, on va y arriver. C'est beau, on a changé de décor, maintenant on est dans le désert. Ils auraient pu faire un boss un peu plus... dur, ouais. Oui, c'est vrai que ça donne plus envie quand tu te sens pas enfermé. J'adore les grottes, hein. Ouais. Mais je sais pas, il y a une sensation de... T'as moins peur, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ça veut juste tuer un ennemi à chaque fois, c'est ça? Ouais. Mais c'est une sécurité. On peut pas nier. Et c'est toi qui avais choisi le jeu? Tu l'as vu en pierre de haut par hasard? Tu sais pas. J'en sais rien. Je crois qu'il était à ma soeur dans le jeu. Il est à part. L'argent tombe du ciel. C'est vrai. Ah mais rond. Oui. Il est mignon, je trouve. T'as pris ton cœur. Mais c'est un boss? Non. Ah j'ai...
Ah dommage, on a pas de... Oh mais c'est quoi ce machin? Là c'est que t'as pas envie de vivre. Oh c'est quoi? Winx peut voir de l'air. Et c'est du copyright, je suis sûr que Winx a copié sur Pandemonium. Ça doit être ça. Crée un hashtag, Saphira. Hashtag les Winx ne sont pas mieux que Nikki. Plagiat Nikki. Nicki Minaj, elle a copié. Il est beau, j'aime bien cette... Il est bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cette tête. On n'a pas envie de battre. Oula. Oula. Oh non, mais l'autre, elle fait même juste nous retendre des cernes. Warrior. Warrior. C'était quoi ce machin? C'est les monstres du début. Ah, d'accord. Un dinosaure avec des gants de boxe, je l'avais pas traité. Pourquoi dans beaucoup de trucs ils mettent des ennemis avec des gants de boxe alors que les gants de boxe c'est fait pour faire moins mal en frappant? C'est pour, dire je vais cogner, attention. Non. Remarque, t'as bien dû toucher un point de contrôle, voilà. Puis j'avais encore deux vies. Oui. Eh, juste un ou deux pieds. Oui, ils ne bougent pas en fait les moustiques. Non. What? Ah j'ai eu peur! Qu'est-ce que c'est que cette blague? Quoi? Heureusement qu'ils font pas mal ces machins. Tout c'est fait, juste pour un cœur, c'est vrai. Mais où met la taille quelle sur moi? C'est quoi ça? Ah d'accord. C'est l'invisibilité, la visibilité. Il me fait peur. Eh non, regarde, je gère, faut gérer. Why comme ça? Aïe. Quoi? Non. Mince. Et t'as deux vies, hein? Oui. Ah, ça va. Tu dois être pas loin de la fin, à mon avis. C'est bizarre, avant j'avais l'impression qu'il y avait deux points de sauvegarde, maintenant il y en a trois. Peut-être une impression. On a pas besoin? Ah oui, il me faut bien la sécurité. C'est la boule qui nous embête. Voilà, il arrive par là. Deux. Hein?
Top délire méga gros. Mais qu'est... Elle a pas voulu sauter. Elle a pas voulu. J'ai pas vu comment t'as resté. Dans cet épisode, ça sera mon plus long, parce que j'ai déjà eu les trois putains. En fait, ça va être la fin. Mais c'est la fin. Mais comme on arrive à la fin, du coup, tu préfères qu'on laisse l'épisode un peu plus long ou... Comme tu veux. Toi qui fais le montage, c'est pas moi, donc... Oh... Bon, on va arrêter là. Et ben on se retrouve dans le prochain épisode en espérant que Saphira réussisse à sortir de ce désert. La même à question. Bientôt. Bye. Oui. Pardon. Oui. Alors, oui, bah tout à fait. En fait, tu t'arrêtes là. On est pile pour repartir.